Ça va pas déranger les gens en pleine réunion, hein? Ça fait 2 semaines que je bosse dessus, et là, vous l'avez gâché d'un coup. J'espère que t'as une bonne raison. Mais vous êtes dans ma gourde? Je suis pas dans ta gourde. Parce que j'ai l'air d'être un type qui vit dans une gourde. Vous êtes tout petit. Je suis dans un vaisseau spatial, connard. Blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Je suis pas de ta planète, connard. Bah qu'est-ce que vous faites là, alors? Je t'en pose des questions. Bah, je suis coincé, voilà, je suis coincé. Je peux vous aider, peut-être? C'est vrai? Georges, t'as pas vu le pchit pour les chiottes? C'est Antoine qui l'avait rangé, mais il est encore au sport. Placard. Tu fais quoi, là? Il y a un alien dans ma gourde. T'es complètement con. Mais si, je te jure, c'est vrai. Il est tout petit, il est tout rouge. Et Alcy, parlez-lui. Allez, parlez-lui. Ouais, bon, placard, du coup. Du coup, tu vas m'aider ou pas? Bah oui, je veux bien, mais pourquoi vous m'avez laissé comme un con, là? Ça va. J'ai pas commencé à t'appeler, à discuter avec tous les gens que je croise. En plus, j'aime pas sa gueule. Hé, il a parlé. Il a dit qu'il aimait pas ta gueule. Chut. Qui a dit qu'il aimait pas ma gueule? Moi. Moi, j'aime pas ta gueule. T'es contente? Oh, putain, c'est vrai, y'a un alien dans ta gourde, mec. Est-ce que j'ai l'air d'être un type qui vit dans une gourde? Bah, vu d'ici, un peu. Bon, je vous la fais courte. Dans mon monde, on m'appelle... Ce qui se traduirait dans votre langue par Emmet Persona. Dans ma planète, je suis celui qu'on appelle quand on a des problèmes. Un justicier? Non, un expert comptable. Bon, j'étais en voyage, là, avec mon vaisseau, pour aller à un rendez-vous. À un moment donné, je tombe en rade. Bon, bah, j'ai même pas le temps de vérifier la cuve, que déjà je me retrouve dans un carton. Et ensuite, bah, j'essaye d'appeler mon client, mais j'arrive pas, et là je me retrouve ici. Alors, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider? Ouais. Non. Mais Céline, notre planète, il faut qu'on y retourne. Tu n'es pas un alien, Georges. On va le renvoyer. Mais il y a peut-être moyen de négocier quelque chose. Ça va, j'ai compris. 3 gruliques, ça vous va? Bah voilà, 3 gruliques. Mais tu sais pas ce que c'est un grulique? C'est la monnaie chez nous. Un grulique, c'est équivaut à 500 000 euros. Bah voilà, 1 million. On veut 5 gruliques. 5 gruliques? Mais tu veux me mettre sur la paille ou quoi? Bah oui, Céline, 5 gruliques, tu veux le mettre sur la paille ou quoi? 5 gruliques, on vous aide pas. D'accord, marché conclu. T'es dur en affaire, toi. Bon, alors écoutez-moi bien. Pour pouvoir démarrer le moteur, il va falloir quelque chose de fort. Très fort! Allez-y, versez! Ok, on commence par le piment. Ah, doucement! Le moteur, il a pas l'habitude. Je crois que c'est pas assez. Mettez l'autre pour voir! Dernier truc. C'est ce qu'on avait de plus fort. Vous n'avez rien d'autre? Bah on a peut-être du poivre. Surtout pas malheureux. Jamais rien de solide dans un engin pareil. Du curry? Oh là là, mais je vais jamais rentrer chez moi, hein. Attendez. Le placard? Comment ça, le placard? Le pchit pour les chiottes. Ça devrait être assez fort, ça, non? J'espère que tu sais ce que tu fais. Absolument pas. Comme Jenny, il me fait un bruit de Range Rover, un truc. Je crois que ça a marché. Il y a 1 heure de ça, je pensais pas pouvoir redire un truc pareil. Mais je suis content de tomber sur vous. Sachez qu'en plus des gros leaks, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Rentrez bien, Emmett. N'oubliez pas les gros leaks quand même. C'est promis, Céline. C'est promis. Wow ! Je crois que c'est parti. À la prochaine. Ah! Putain, mais c'est quoi cette merde? C'est dégueulasse! Emmett! Les gruliques!